ya mbere igice cya 11. Ingoma ya mbere Alibia Eroa oui, chronique, hein, chronique. Igice cya mbere umurongo wa 11. Chronique, igice cya mbere chronique wa mbere igice cya mbere igice cya 11 plutôt kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 25 mihangane yese ndende ariko ifite ikivuze chronique chapitre 11 verset 10 à 25. Amen. Intwari za Dawidi. Aba nibo bari bakomeye mu ntwari Dawidi yari afite. Nibo bafatanyije nawe kwerekana imbaraga zabo mu bwami bwe. Bagafatanya n'Abisirayeli bose kumwimika nk'uko Uwiteka yavuze ku Bisirayeli. Aleluya. Ngaba abagabo b'intwari Dawidi yari afite uko umubare wabo wari uri, Yashobeyamu umwana w'Umuhakimoni umutware w'ab'intore 30 yabanguye icumu rye kurwanya abantu 300 abicira icyarimwe. Murongo wa 12 akurikirwa na Eleyazari mwene Dodo w'Umuhobi yari uwo muri abo bagabo b'intwari 3. Uwo yari kumwe na Dawidi ipasidamimu ubwo abafarisayo bari batereye bateraniyeho ngo barwanye, amaze abantu barahunga bahunga abafilisitiya aho hari umurima wari urimo sayire nyinshi, ariko bo bahagarara hagati muri uwo murima barawurinda bica abafilisitiya. Uwiteka bakirisha kunesha gukomeye. Abantu abatatu kuri babandi 30 baramanuka basanga Dawidi ku rutare mu buvumo bwa Dalomu. Ingabo z'Abafilisitiya zari zigerereje mu kibaya cya Abarafu. Ubwo Dawidi yari mu gihome kandi abanyagihome cy'Abafilisitiya bari i Betelehemu. Dawidi akumbu yaravuga ati, icyampa nkabona unsomya ku mazi y'iriba ryo ku irembo y'i Betelehemu. Maze abo batatu batwaranira mu ngabo z'Abafilisitiya bavoma amazi mu iriba ryo ku irembo y'i Betelehemu barayajyana bayashyira Dawidi. Ariko Dawidi yanga kuyanywaho ahubwo ayabyarira imbere y'Uwiteka. Aravuga ati, Imana yanjye indinde kuba nakora ntyo, ndebe mwe amaraso y'aba bagabo bahaza amagara yabo. Nuko bayazanye bihaze, nicyo cyatumye yanga kuyanywa. Ibyo ni byo byakozwe n'abo bagabo b'intwaro uko ari 3. Abishayi murumuna wa Yowabu niwe wari umutware wa 3, kuko yabanguye icumu rye kurwana n'abantu 300 akabica akamamara muri abo 3.
muri abo batatu niwe wari ufite icyubahiro kurusha abandi babiri ahinduka umutware wabo ariko ntiyahwanye na batatu ba mbere Benaya mwene Yehoyada umwana w'umugabo w'intwari w'i Kabuseri yari yarakoze ibikomeye niwe wishe bene Ariyeli Mowabu bombi kandi aramanuka yicira intare mu isenga mu gihe cya shereye yishe n'umugabo w'umunyegiputa muremure cyane uburebure bwe bwari imikono itanu uwo munyegiputa yari yitwaje injunga y'icumu ariko we amanuka yitwaje inkoni aramusanga amushikuza icumu mu kuboko kwe ararimwicisha ibyo nibyo bya nibyo Benayo mwene Yehoyada yakoze yamamara muri abo bagabo batatu b'intwari yari afite icyubahiro kuruta abandi 30 ariko ntiyari ahwanye na batatu ba mbere Dawudi amugira umutware w'abarinzi be mashaka komere ikiganza mashya Mani shimwe cyane uyu munsi ni umunsi mwiza ni umunsi w'intwari aujourd'hui c'est une belle journée car c'est une journée des vaillants mubwire ukuri ruhande uri intwari dis à celui qui est à côté de toi que tu es vaillant alléluia intwari ni ukuvuga iki intwari nikora ibyo abandi badashoboye gukora Que veut dire un vaillant? C'est quelqu'un qui fait ce que les autres ne sont pas capables de faire. Un vaillant, c'est celui qui va combattre là où les autres ont eu peur. Un vaillant est celui qui ne recule pas parce qu'il voit que les choses se compliquent. Un vaillant est celui qui plaît à son chef. C'est ce que ça veut dire le vaillant. Alors Dieu m'a demandé de vous dire à vous aussi que vous êtes des vaillants. Dieu ne se trompe pas. Tu peux te demander comment est-ce que je suis vaillant puisque les autres ont combattu moi, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le livre des juges. Alléluia. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Gédéon. Il était très peureux. Les Philistins leur avaient interdit de faire quoi que ce soit, de s'aimer, d'aller dans les champs ou de manger. Mais lui, il avait trouvé un peu de blé et il les avait cachés. Pour que personne ne le voie, il s'est caché. Alors, l'endroit où il s'est caché, l'ange de l'Éternel l'a trouvé là-bas. Et quand il se tourne, il a entendu une voix. Et quand il s'est retourné, il a trouvé que c'était un ange. Et l'ange lui a dit, n'aie pas peur, je vais te dire ce qui te concerne que tu ne connais pas. Et l'Éternel me dit de te dire que tu es vaillant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que l'Éternel lui a dit. Tu peux dire, oh moi je suis peureux ou peureuse et ce que je fais, je n'ai pas vraiment confiance, mais Dieu lui a dit de te dire que tu es vaillant. Nous avons dit,
umwana muto yanjye famiye yanjye niyo ntoya muri mu ba Israeli aravuga 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 et quand l'ange lui a dit ça je lui ai dit non je pense pas vraiment que je peux croire à ça je suis un peu je suis encore un enfant je suis d'une famille qui est peu nombreuse et il a continué à dire comment il peut pas être un vrai. Alléluia. Alléluia. Ariko malaika yari yaje kumubwira ati simbanga utemeye kurintware. Mais l'ange était venu lui dire jusqu'à lui dire ça et il avait dit que je ne quitte pas tant que tu n'as pas encore compris que tu es vaillant. Kuko yavuze no witeka. Parce que cela a été dit par l'Éternel. Ariye watumwe malaika amubwira ati nige watumye. Parce que c'est moi qu'on a envoyé. Yavuze no witeka. Et ça a été dit par l'Éternel. Ariko nawe ubyakira menye ko byavuzwe n'Uwiteka. Et à toi aussi qui le reçois, sache que ça a été dit par l'Éternel. Amen. Akira. Reçois. Akira ibyo Uwiteka yavuze. Reçois ce que l'Éternel a dit de toi. Gédéon arabyakira. Gédéon l'a reçu. Ati rero noneho ni wowe Imana itumye kugira ngo ujye kubohora abana ba Isiraeli bari barishwe n'inzara ibyago barimo. Et l'ange lui dit, c'est alors que l'Éternel, c'est toi que l'Éternel a choisi pour aller délivrer les enfants d'Israël de tout ce que les Philistins leur ont privé et leur ont pris. Alléluia. Alléluia. Ngiye gushaka atangira gutekereza intwari ashobora kubwira abantu ajya yumva bavuga yuko ari abagabo ati aho ngaho ngiye kubabwira muri aka. Il a commencé à se préparer, il a commencé à penser à qui il va contacter pour aller à la guerre et commencer à penser à tous les hommes qu'il connaît qui sont comme voyants. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui a dit, c'est pas là où tu commences, c'est pas par ça que tu commences. On en a parlé un peu dans la cellule jeudi. Comment est-ce qu'on commence à se délivrer soi-même avant de délivrer les autres? Le père de Gédéon avait des idoles. Basenga iyo mana ya se wa Gedeon. Et cette idole là, tous les membres de sa communauté et les voisins venaient toujours se prosterner devant cette idole là. Mbere rero kujya kurwanya abafilisitiya banza unsengere iyo nzu. Alors l'Éternel dit à Gédéon, avant de commencer à combattre les Philistins, d'abord détruis cette idole. Yazi yuko ako kazi agiye gusenya abantu bose bo muri village abaturanyi abo hakurya abo hakuno bose ni ahantu bashize umutima. Il savait que s'il détruisait cette idole là, toute la communauté, tous les voisins et le voisinage avaient leur cœur là-bas. Kandi yazi yuko se ari washize umutima. Il savait que son père aussi aimait cette idole. Kuko niwe wari warahubatse aravuga ati mujye mwese muza gusenga. Parce que c'est lui qui avait construit. Alléluia! Alléluia! Cet endroit. Mais il le détruit. Il le détruit et il s'est dit qu'il sait le faire peu importe. Quel genre d'idole qui est dans ta vie? Quel genre d'idole qu'il y a dans ta famille? Quel genre de temple d'idole qui est dans ton travail? Quel genre de temple d'idole qui est parmi tes amis ou qui est autour de toi? C'est lequel? Va le détruire avant d'aller détruire autre chose. Mais là où il y a beaucoup de gens,
Avant d'aller détruire ou de combattre les Philistins, commence d'abord par détruire ce temple d'idole. Tous ces démons, tu dois les détruire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et voilà le travail de Gédéon qui n'était pas facile. Mais quand Dieu t'envoie et que tu n'aies pas peur, il envoie aussi sa force qui te fortifie et te protège. Et quand il a détruit ce temple, les gens ont accouru. Alléluia. Amen. Il demandait qui a détruit ce temple. Et tout le monde disait que c'est Gédéon. Et ils disent que Gédéon va mourir parce qu'il a détruit le temple de notre idole. Alléluia. Amen. Mais Gédéon n'est pas mort. Son père l'a entendu et est venu demander qu'est-ce qui s'est passé. Il leur dit que ton fils Gédéon a détruit le temple de notre idole. Il savait combien son père tenait sur cette idole-là, alors il pensait que c'est lui qui va le tuer en premier. Alors son père dit, laisse mon fils. Son père disait, laissez mon fils tranquille. Il leur dit que si c'est vraiment lui qui l'a fait, c'est que c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé. Que personne ne lui touche. C'est moi qui l'ai construit, il a détruit, nous tous revenons à l'Éternel. Et dans peu de temps, il était retourné à Dieu. À cause d'un travail de vaillant que Gédéon a fait. Toi aussi, tu as des choses, peut-être que tu te dis que si tu le fais, on va va te chasser de travail, mais Alléluia. L'Éternel te soutient. Alléluia. Amen. Tu dis une voile de Christ, une voile de Christ. On est des vaillants de Christ. Yes, il y a un prix à mon moulinoir, il sait. Jésus m'a dit que vous êtes des vaillants de Christ. Les gars m'a dit, Harumukabo, Walwara Fungi, Kouera, Pizé. Il y a eu un homme qui avait été emprisonné à cause de sa foi. Bamushira muri kasha ahantu hatabona arahaba imyaka myinshi cyane. Ils l'ont mis dans une prison et où Alléluia. Muri iyo myaka yahamaze atabona baza kumukura amaze mu myaka ati ngwino ukimbere y'umucamanza. Dans toutes ces années où il était dans le noir, on l'a sorti une journée et on lui a dit viens devant le juge. Il leur a demandé, est-ce que toujours tu crois en Dieu? Et il dit, tu crois toujours en Dieu? Il dit oui. Là où il était dans le noir, on le donnait à manger. Alors lui on dit, on va t'enlever dans le noir, mais on va te mettre avec les autres, sauf que tu ne mangeras pas. On va te mettre avec ceux qui ne mangent pas. Il l'a emmené là-bas. Et arrivé là-bas, il a vu des gens qui avaient plusieurs jours sans manger, presque mourant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et quand il est entré, il a dû demander est-ce qu'il y a quelqu'un ici. Et il a vu des gens qui disaient nous sommes encore là, mais nous sommes presque morts.
Muzi Yesu. Vous connaissez Jésus? Atoya. Et ils disent non. Ati njye itumizali bishe nuko mutazi Yesu. Et il leur dit, si vous mourrez de faim parce que vous ne connaissez pas Jésus, mais moi je veux vous en parler. Et si vous le recevez, et si vous parlez de lui, votre force va revenir et je vais vous fortifier en vous parlant de Jésus. Et il a commencé alors. Et des gens qui étaient mourants de faim commençaient à l'écouter. Et Geller a dit comment il est mort. Il a parlé de ses mères et soeurs. Et ils ont compris que cette personne-là était à leur côté. Alléluia. Et ils ont compris qu'il était à leur côté. Alléluia. Alléluia. Moi, non, je n'ai pas. Et là, il y a eu deux de ces gens-là. Et ces deux personnes-là, ils leur disent, nous aussi, comme tu nous vois, toutes ces choses, on les connaissait, mais on n'avait plus de force. Et alors, on leur dit que Dieu lui a envoyé là-bas pour qu'il leur fortifie encore. Dieu peut t'appeler pour que tu travailles ou tu, oui, tu travailles pour lui, mais dans la prison, non, en prison. Alléluia. Et cet homme avait été appelé d'être un vaillant dans la prison. Un vaillant dans la prison. Un vaillant dans des gens qui ne mangent pas. Un vaillant dans des gens de douleur. Comme David. Comme David était fier de ses officiers. Niko na Yesu afishi. Et c'est comme ça que Jésus aussi est fier de nous. Je vais vous dire quelque chose, plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore là, entre 1971 et 1979. Il y a eu quelque chose en Afrique. En Afrique centrale. En Afrique centrale. Plus précisément, en Ouganda. Précisément en Ouganda. On doit être Idi Amin Dada. Il y avait un monsieur qui s'appelle Idi Amin Dada. Il a fait un coup d'état et il est devenu président. Entre-temps, il y avait des avions qui transitaient vers l'Ouganda. Il y en avait un qui transportait les Israéliens, les Juifs. Il décida de les garder, de les mettre en prison. Alléluia. Amen. Quand les Israéliens l'ont entendu, ils ont dit, on reste, ils se sont préparés. Ils se sont vraiment préparés comme il faut. Alléluia. Akarasisi mu gitondo, akarasisi ni mugoroba, akarasisi ni joro. Alléluia. Alléluia. Hanyuma umunsi ugeze, indege iragenda, ikambara batamenya aho ituruka bagiye kubona iratebyije. Et
indege irahaguruka iragenda indi amini bajya kubyuka bati bagiye De nulle part, après toutes les préparations, ils sont atterris, ils sont allés chercher les prisonniers, ils les ont sortis de la prison, les ont mis dans l'avion et sont repartis chez eux, sans que personne des soldats ou Idi Amin sache qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est quand il y a un homme qui fera ça, il y a un groupe d'assaut. Alléluia. Un groupe d'assaut. Kugenda ugakora inaction ugakora ikintu mukanya gato kikaba kirarangiye ukongera ugasubira aho waruye. Il s'agissait d'une opération qui se passe en quelques minutes sans que personne ne se rende compte qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Alléluia. Nguko ko mumeze mwantwari mwe. Et c'est comme ça que vous êtes vous les vaillants. Yesu arabatuma ngo nimugende musimbuke nimugende munyaruke mugende mumuzanire abantu bamutegereje mumuzanire abantu bamushaka mumuzanire abantu bamukunda mugende munyure aho ngaho mwaterise mubafate mubamuzanire. C'est comme ça que Dieu vous appelle vaillant parce qu'il veut que vous allez chercher les gens qui lui appartiennent et que vous faites ça en non pas de temps que vous le ramenez chez nous. Les gens qui étaient dans les griffes de Satan que vous les ramenez. Alléluia. Moi j'avais dit mal trois sommiers. Il nous a les adaudi et château. Par yamuzati. Dans le verset qu'on a lu, David disait si je pouvais boire de l'eau qui est à l'entrée de la porte de Bethléem. Qui peut me donner cette eau là? C'était une source d'eau qu'il aimait boire quand il était encore jeune et qui était berger. Il se demandait qui pouvait lui donner cette eau-là. Ils ont noiré ma tante. Ils disent jamais, n'allez pas t'aimer. Tu es, tu as dit, voilà, cherche la bouche, voilà, sauve-la. Ils noirent. Et ces trois officiers qui étaient vaillants, sans rien dire, sans rien lui dire, ils sont sortis et ils sont allés chercher cette eau-là. Alléluia. Banyura hagati yaba filistia. Et ils sont passés au milieu des Philistins. Hagati y'a la Philistia. Au milieu des Philistins. N'y a pas de nous à mon nom. Nous à mon nom, n'y a pas de nous à mon nom. Personne ne les a vus parmi les Philistins et même ceux qui peut-être leur ont vu, ils n'ont rien dit. Et ils sont allés puiser l'eau de cette source de Bethléem. Ils ne sont pas passés par ce chemin juste une fois parce qu'ils sont retournés dans le même chemin. Alléluia. Ils n'ont pas emprunté l'avion. Oh, ils n'ont pas utilisé un hélicoptère. Alléluia. Amen. Bagiye nkuko bameze n'amaguru baragenda bavoma ayo mazi banyura muri kadereneni bafite ayo mazi mu ntoke. Ils sont allés à pied et ils sont passés au milieu du camp de l'ennemi et ont ramené l'eau de source de Bethléem. Et voilà ce qu'on appelle un vaillant, c'est comme celui-là. Nuko Yesu abizeye yuko namwe muzanyura muri kadere ennemi y'abamwanga yatabatamushaka mukagenda muri mukajya muri ka izaba irimo abamushaka abamutegereje. C'est comme ça que Jésus est confiant en vous parce qu'il sait que vous pouvez aller dans le camp ennemi et lui ramener ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Arabashaka. Il vous cherche. Bali muza razumwazi ariko Yesu arabashaka. Il les cherche parce qu'ils sont dans le camp de l'ennemi mais Jésus les cherche. Uwo mugezi wari uri mu maboko y'abanzi ariko Dawidi aravuga ati ndashaka kunywa ayo mazi. Cette source d'eau était dans le camp de l'ennemi, mais David avait dit qu'il voulait boire de cette eau-là. Alléluia. Barangienda barayashaka. Niba namwe muri intwari.
Si vous, si vous aussi vous êtes des vaillants et que Dieu sait que vous êtes des vaillants, allez aussi chercher ces gens ou ces hommes qui sont déjà dans les griffes de Satan et ramenez-le à Christ. C'est le Dieu qui a protégé les officiers, les vaillants de David. Il ne manquera pas à protéger les vaillants de Christ. Alléluia. David était le serviteur de l'Éternel. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il est fils de Dieu. Il ne manquera pas aussi à te protéger, car celui qui a protégé ceux de David est celui qui te protégera aussi. Koyeze. Encourageons. Koyeze, turwane. Encourageant, combattant. Alléluia. Turwani ngundura. C'est-à-dire, turwani ngundura, nous kugenda. Urawari wabona muri cinema mwarabibonye aho inzovu ebyiri zarwaniye nta katsi kaba kagihaye. Alléluia. Kuko zikanyagidasi ibyatsi bikagenda hagasigara ubutaka ndetse n'ubutaka nabwo bukababara kubera yuko ari inzovu ebyiri zaharwanya. Combattons avec force et Alléluia. Quelqu'un ne reste sur le chemin. Alléluia. Murwane ku buryo nta gisigara kishobora kukubuza, icyatsi gishobora kugutega, ibuye rishobora kunyereraho. Combattons jusqu'à ce qu'il n'y ait rien qui t'empêche ou qui te bloque à avancer. Donc tu vas en ambara in hundura kugeza umwami wacu tubushize ahagomba kuba. Jusqu'à ce qu'on Christ ait sa place. Alléluia. Murareba hangaha twasomye mbere turavuga ngo abandiwo bari bakomeye mu ntwari ya Dawidi yari afite nibo bafatanyije nawe kwerekana imbaraga zabo mu bwami bwe. Natwe tugomba gufatikanya na Yesu kwerekana imbaraga mu bwami bwe. Dans le verset, il dit que ceux-là étaient ceux qui ont combattu avec David. Nous aussi, nous devons être des vaillants et combattre avec Christ. Alléluia. 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 Turwani shaka. Turwani turwana ni ishaka turwana ndiribi ryacu. Soyons encouragés. Le courage avec lequel nous combattons, que ça ne nous appartienne pas. Oui. Alléluia. Soyons encouragés, car le courage avec lequel nous combattons ne vient pas de nous. Mais que ce courage vient de celui qui nous a délivrés. Alléluia. Uwaducunguye nyine ni Yesu Kristo. Qui nous a sauvés, c'est vraiment Christ. Non, les amagayachu amaziki. Que à quoi sert notre santé? Ouzimabga. À quoi sert notre vie? Ouzimabgachu amaziki. Notre vie. À quoi sert notre vie? Bumaziki niwa Yesu adaha uchuba uchos. À quoi sert notre vie si Christ n'est pas glorifié, ne reçoit pas toute la gloire? On est ici pour que Christ soit glorifié et que rien ne soit enlevé de lui. Le courage que on a, que nous avons, on va se réussir.
Un jour, cela va se terminer. Ukanya koleta mu ijambo yavuze yavuze ati n'intwari zizunama. Alléluia. Colette a dit que même les vaillants vont se courber. Alléluia. Bizagera igihe tutagira ushoboye. Zira ntwari za Daudi zararwanye ariko ubu ngubu ntizikiriho. Parce qu'il y a un moment où ils ne seront pas capables. Même les vaillants, les officiers de David, ils ont combattu, mais aujourd'hui ils ne sont plus là. Mais celui qui combat pour Christ, il recevra la vie éternelle. Alléluia. Il va continuer à être un vaillant pour l'éternité parce qu'il aura sa place. Ingoma ya Daudi yari igihe gitoya. Le royaume de David était pour un temps limité. Yagombaga kuzashira umunsi umwe. Il devait se terminer un jour. Nyamara ubwami bwa Yesu. Mais par contre, la royauté de Jésus est pour l'éternité. Ngaho rero tubivuge tubisubire. Disons-le donc et répétons encore. Alléluia. Alléluia. Kuki dukomeza gutinyira amagara yacu n'icyubahiro cyacu. Pourquoi est-ce que nous continuons à avoir préserver nos vies avec notre honneur et notre nom? Kuki dukomeza kubifatira? Kuki dukomeza kubibundira? Alléluia. Pourquoi nous continuons à tenir? Kugira ngo ibyo tubiharire uwafashe ufite ubugingo bwacu mu biganza bye. Pourquoi continuons-nous à préserver ou à retenir nos vies au lieu de le donner à celui qui nous a donné déjà tout donné? Alléluia. Turwanire Yesu. Combattons pour Jésus. Turwanire Yesu. Combattons pour Jésus. Araho iki gitabo version hari wahandi bavuga ngo uriya muntu wari uri kumwe na Daudi mu bishyimbo mu byatsi barasha abafilisiya bararasa abandi bahunze ari babiri gusa Dawidi n'uwo mugaragu we bararasa hanyuma ngo abafilisiya bamaze guhunga uwo mugaragu asigara ameze atya intoki ze zagiyeho bibinya afashe umuheto n'umwambi arahagarara atagishobora kurasa ibinya byaje. Alléluia. Niko bavuga natwe dukorere Yesu kugeza igihe ibinya biza mu mutima. Dans le verset où ils étaient au milieu des champs de l'orge, un des vaillants de David a tellement combattu qu'à un certain moment il avait des crampes dans les mains. Nous aussi travaillons pour Jésus ou combattons pour Jésus jusqu'à ce qu'on notre cœur soit pour que notre, jusqu'à ce que notre cœur ait des crampes. Alléluia. Alléluia. Nous devons y arriver. Alléluia. Tunyure mubatamushaka. Passons au milieu de ceux qui ne veulent pas. Continuons à marcher même au milieu de ceux qui ne veulent pas. Même si c'est au travail, même si c'est avec ton chef, mais continuez. Parce que plus loin, il y a ceux qui veulent Jésus. Plus loin, il y a ceux qui l'attendent. C'est toi et moi qui allons amener ces gens-là. C'est toi et moi qui allons amener ces gens-là à Christ. Nous tous, nous disons-le ensemble que c'est toi. Dis à celui qui est à côté de dire que c'est toi. Alléluia. Alléluia. Intwari za Daudi zakoraga ibishoboka byose.
les officiers de David faisaient tout ce qui était tout ce qui était possible pour lui. Kugira ngo umwami wabo yishime. Pour plaire à David. Yamamare. Qui puisse prendre l'extension. Alléluia. Alléluia. Wowe nanjye ni iki dukora kugira ngo ingoma ya Kristo yogere hose. Toi et moi, que faisons-nous pour que le royaume de Christ soit étendu? Alléluia. Amen. Shingura. Alléluia. Shingura ndabonga kuri kirenge warugishinze. Shingura. Lève-toi. Shingura. Lève-toi. Alléluia. Iruka. Cours. Guruka. Vol. Ukore le Christo. Pour Christ. Ikamba ryagenewe abamwireguriye iragutegereje. Parce que la couronne qui attend ceux qui se sont donnés à lui t'attend. Cette couronne-là, tu ne l'auras pas si tu n'es pas pour lui. Cette couronne-là, tu ne le recevras pas si tu ne te lèves pas. Cette couronne-là, tu ne l'auras pas si tu ne cours pas vers elle. Et quand on met à la corrente, va attendre pour le moment qu'on y a une académie pour le moment qu'on y a une académie. On va lire dans Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Quand on met 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugorererwa akabumwe namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe umuntu wese urushanwa yirinda muri byose ntukarye ibintu bikubuza kwiruka iyo umuntu acyaga kwinjira muri cyo olympique ntari gikibonetse cyose. Si vous voulez être dans faire partie d'une course olympique, tu ne manges pas n'importe quoi. Alléluia. Abandi bagenzeze batyo kugira ngo bahabwe bagenza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Ko byanditse. Nawe twerwe tunezereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ngiruka ariko singuta utaza honja nkubitana ibipfunzi ariko singuhusha ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoze uburetwa ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe. Alleluya. Idumara kwigisha abandi ubwise nimugoroba mbere yo kuryama wisubireho wibaze utese jyewe ndatunganye. Quand tu auras fini de prêcher aux autres, retire-toi et demande-toi toi-même, questionne-toi, est-ce que je suis vraiment droit devant l'Éternel. Nguko abo biruka muri stade bari barushanwa yarirukaga agashaka iryo kamba ariko yatahaga avuga ariko nisubireho nanjye ngira icyo ndya ngira icyonwa ndyame sinzire nshobore kubaho nzashobore gukomeza. Et comme ceux qui courent dans des courses olympiques, quand il a fini de gagner, il rentre chez lui. Et il prend soin de lui, il se repose, il mange comme il faut pour qu'il puisse continuer pour la prochaine course. Natwe turwane tujya gushaka abandi ariko natwe tugira umwanya wo kwiyitaho kugira ngo tutazicwa n'inzara bakaduha.
nous aussi comme, cherchons à trouver d'autres âmes pour le Seigneur, mais aussi qu'après nous continuons à prendre soin de nous afin que nous ne mourrons pas. Alléluia. Paulo agereranya ubuzima bwa buri mu Kristo nko guhiganwa kwa abi kwa bahanwa kwa biruka bashaki kava. Paul se compare la vie en Christ. Compare la vie en Christ comme ceux qui courent pour remporter un prix. Arerekana imbaraga bashira muri uko kwiruka. Il montre combien qui, la force qu'ils mettent dans, dans cette course-là. Il montre combien ils, ils mettent de la valeur pour cette course-là. Il montre combien ils ne se retournent pas, ils ne regardent pas derrière. Alléluia. C'est un objectif qu'ils doivent atteindre. Alléluia. Alléluia. Kuko igihembo cyawo ari kinini. Parce que leur récompense. Récompense est grande. Alléluia. Kandi icyagakire kandi ni igihembo cy'agaciro mu maso yabo. Parce que c'est une récompense de valeur à leur prix. Ngaho rero nimugereranye ako gaciro baha ibyo byo kwiruka ibyo byo guhiganwa mu bigereranye n'uwabantu ukorera Yesu. Tout ça donc, comparez-le avec ce, toute cette course, toute cette discipline qu'ils mettent dedans, compare-le et la récompense qu'ils ont, compare-le à ce, celui qui travaille pour Jésus. Nous aussi, nous, alors que nous courons seulement pour Christ. Mais vous n'êtes pas juste pour obtenir ta couronne, mais aussi pour que Christ reçoive la gloire. Alléluia. Ni mwumve uko Paulo avuga mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa kabiri. Alléluia. Les Philippiens, alléluia. Niwa mugice cya mbere ku murongo wa 21 aravuga ati ubugingo bwanjye ni Kristo naho urupfu ni inyungu. Amen. Isi ushobora kureba ya urupfu kuri we ntacyo bikivuze kuko azi yuko niba apfuye azasanga wa wundi yakunze azasanga wa wundi yakoreye azasanga umutegereje azasanga uzaba yateguye umwanya we wo kumwakira. Parce que pour Paul la mort ne lui fait pas peur parce qu'il sait qu'après la mort il va rencontrer celui qu'il a aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Ubugingo bwanjye ni Kristo naho urupfu ni inyungu. Natwe dushoboye kubivuga. Nous aussi nous pouvons dire comme Paul l'a dit que ma vie est Christ et la mort m'est un gain. Naho ushoboye kubivuga. Et toi aussi tu peux le dire. Naho ushoboye kubikora. Toi aussi tu peux le faire. Kuki? Pourquoi? Kuko wa Paulo yizeye niwe natwe twizeye. Parce que celui en qui Paul a cru, c'est celui-là même que nous aussi nous croyons. Alléluia. Amen. Nous sommes à la Philippiens 3:4-10. Icyo bita igihombo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Haleluya. Uwo mutwe w'ijambo. Haleluya. Umwumve uko bavuga. Nyamara ibyanjye, ibyari indamu yanjye, nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi utagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu.
kubwo kubukuru pa Philippe chapitre 3 verset 7 jusqu'au verset 10 kubwo muho kubwo nahondi byange byose ndeze mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndoge Kristo kandi mboneke ko ndi muri ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana ariko kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya shushanwa no gupfa. Haleluya. Ye Paulo aravuga ati ndashaka kwishushanya no kuba ngo m'identifier. Paul dit qu'il veut s'identifier. Haleluya. Lorsque igihe tugiye muri Yesu igihe tubasizwa mu by'ukuri tuba twaremye ntushobora kwidatifia ku muntu ntushobora kwishushanya n'umuntu utazi urabanza ukamumenya ukakira Yesu Kristo niko kumumenya. Et nous le recevons car c'est ça le connaître. Et quand il est en toi et que toi en lui, et pour bien finir, tu t'identifies à lui. Tu es à sa ressemblance. Tu le vois dans l'eau. Et tu vas dans l'eau comme signifiant la mort et tu ressuscites comme lui aussi il est ressuscité. C'est ça ce qu'on appelle s'identifier en Christ parce que le baptême c'est s'identifier en Christ. Alléluia. Alléluia. Oublions ce que nous étions. Ngeza kuri iri jambo nsigaye nshimishwa nuko aho nakoze nari baranzamuye nkora akazi ngahembwa neza byose bihaba ariko ubu ngubu kubera Kristo narabyibagiye ndashima Imana bene data. Chaque fois que j'arrive à ce verset, je bénis Dieu parce que là où j'ai travaillé, même si j'ai reçu des promotions et que j'étais bien payé, aujourd'hui quand j'arrive à ce verset, je bénis l'Éternel car j'ai tout oublié. N'importe ce que j'ai reçu dans ma vie passée, tout ça je les ai oubliés à cause de Christ. Alléluia. Kwibagirwe icyo twari cyo. Oublions ce qu'on était. Kwibagirwe n'icyo turi cyo. Et oublions ce que nous sommes aujourd'hui. Icyo turi cyo ngira ngo ni mwebwe bireba. Oublions ce que tu es, c'est ta place que tu occupes, que tu puisses servir à Christ. Tureke umwuka bari we ukorera muri twe. Laissons l'esprit de Dieu de travailler en nous. Umwuka bari ukorera muri twe. Que l'esprit de Dieu soit celui qui dirige. Ubwenge bwacu. Notre intelligence. Kamere yacu. Tubyibagirwe nk'uko intwari za Dawidi ziyibagirwaga. Que nous oublions tout ce que nous sommes comme les officiers de David le faisaient. Alléluia. Zibagirwaga ngo zigeze umwami wazo ahantu hakomeye. Parce qu'ils s'oubliaient eux-mêmes pour que leur chef soit élevé. Alléluia. Amen. Paulo yabeshye umwe rurere. Birashaka kuvuga iki?
kera abakurambere bacu bari bambaraga impu imbuzi zinga imbuzi ntama bagiye bubona ndetse haleluya izo mburero zagombaga kumeswa zagombaga gusigwa zagombaga koswa kugira ngo hinjiremo parufe zitanuka nabi haleluya entretenu afin qu'ils ne sentent pas mauvais. Alléluia. 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 Wowe iyi myenda uyigurira ye najyaga nyibona kera sinzi aho wowe uyikura nyama uwo mwenda awumaranye imyaka 15-20 wambwira yuko wowe ufite ahantu ukura mode yawe nta yindi ni uko ubukene yarawubitse ni wowe yambara wonyine ariko ni mwiza cyane ku by'abantu ukambara ikirato ibi birato byawe ubigurira ye ibirato bimaze imyaka 35-40 biraruta bamwe muri ariko iyo mubibonye muravuga muti yahaya nta bitunga pasiteri wahora aguri inkweto buri gihe n'inkweto nahoranye kera C'est comme quelqu'un qui n'est pas si riche que ça, mais qui prend soin de ce qu'il a. Alléluia. Parce que des fois, vous le voyez, vous pensez qu'il achète tout le temps des choses nouvelles, mais c'est juste qu'il les garde bien. Les gens ils peuvent le voir et disent ces chaussures, on ne les voit plus. C'est vrai. Parce que comme il prend soin d'eux, quand tu les vois, tu penses que c'est des nouveaux, mais c'est des chaussures de plus de 20 ans. Ibyo arabikora ugasanga byose bitunganye ariko ni ibintu yatangiye kera si ibintu atangiye none ahangaha c'est comme ça que Paul le faisait c'est tout ce qu'il faisait il le faisait avec soin mais c'est pas des choses qui venaient juste de commencer nta kintu kireba cyangwa agishyizeho umutima Yesu wenyine il ne regardait plus rien ni il ne s'attachait à rien seul Jésus Yesu wenyine niwe cyerekezo cye niwe direction ye parce que seul Jésus est sa direction intambara ye n'ukumenye n'ukume n'ukumugeraho no kumenyesha abandi son combat était d'arriver à le faire connaître et aussi à arriver chez lui alléluia kumenya no kumenyesha abandi le connaître et le faire connaître intambara y'impundura la guerre qui rase tout ce qui est sur la route la guerre qui rase tout ce qui est sur la route nous gusenyera ibigirwa mana c'est de détruire tout ce qui est des idoles gusenyera ibigirwa mana nka Gédéon et détruire ce qui est tout ce qui est idole comme Gédéon. Kugira ngo Yesu wenyine aba ari we uganza wenyine. Afin que ce soit Christ seulement qui gouverne. Qui règne. Qui règne. Alléluia. Turi intwari za Kristo. Nous sommes des vaillants de Christ. Dawidi yari intwari. David était vaillant. Mwese murabizi yuko ni n'amateka twagiye dusoma yishe Goliath wari wabaye icyaha tous que vous savez comment qu'il a tué Goliath qui était devenu Alléluia turabizi twese kuki yabishoboye nous tous ne savons comment est-ce qu'il a pourquoi kuko yiringira mu Uwiteka Imana ya Isirayeli Amen
parce qu'ils s'étaient confiés en l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était pas sa force. C'était pas sa. Mais comme il s'est confié en Dieu l'Éternel, c'est ça qui lui a donné la force de tuer Goliath. Ce qui veut dire. Cela ne lui a pas empêché de former ou de mettre au monde d'autres héros. Cela n'a pas été pour lui. Ça n'a pas été difficile. Difficile de former d'autres héros. Pourquoi il dit que je vous aide? Parce qu'il les a appris à prier. Il les a appris à faire confiance. Parce qu'il leur a appris que comme il est avec l'Éternel, tout lui est possible. Et quand ils sont arrivés à ce niveau-là, ils ont combattu et ils ont gagné. Parce qu'ils combattaient avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Kubatera inkingi abafasha basukuma bege abajyana ku rugamba en les soutenant et en les aidant à aller au combat. Ntabwo byamubishaga kuko yabwira ati mwebe nimugende murebe imbaraga zanyu mugende mureba uwiteka. Cela ne les fatiguait pas parce qu'il leur disait n'allez pas en s'appuyant sur votre force mais appuyez-vous sur la force de l'Éternel. Natwe turo abize. Et nous aussi, nous sommes. Toi aussi, tu es celui que tu crois. On peut aussi aider et aider les autres aussi à avoir foi. Avoir confiance. À avoir confiance en nous. Alléluia. Niba. Ndibwira Imana yavuze ngo muri intwari n'ukuvuga yuko izi yuko muyizera. Si Dieu a dit que vous êtes des vaillants, c'est parce qu'il sait que vous croyez en lui. Alléluia. Amen. Kugira ngo bizere nkuko nawe wizera. Est-ce que tu wizera wowe? Pour qu'il croit comme toi aussi tu crois. Est-ce que toi tu crois? Wizera wowe? Est-ce que tu crois? Niba wizera uzabwira azemera kuko ukwizera kwawe n'uguturutseho guturuka ku. Parce que si tu crois vraiment, celui à qui tu parleras, il croira aussi parce que la foi que tu as ne vient pas de toi. Parce qu'un vaillant donne naissance à un vaillant. Alléluia. Celui qui a la foi donne aussi naissance à quelqu'un d'autre qui a la foi. Pour que tu enseignes, tu apprends à ton enfant de croire, il faut que toi aussi tu crois. Si tes enfants t'entendent tout le temps te plaindre, tu leur diras pas de croire parce que. Tu reviendras à toi, tu dis toi aussi. Alléluia. Aïkonimu, avora yumba, biakomeye, aïkonizayo kuite kazaminyeza. Si ce qu'il entend, c'est que tu dis que même si c'est difficile, l'Éternel me délivrera, alors il croira. Nizera ko imana yanjye izaba inshoboza. Parce qu'il t'entend dire que tu es sûr que ton Dieu te fera parvenir à ce que tu demandes. Alléluia. Amen. Ikindi kandi nuko tudakora twenyine. Et autre chose, c'est que nous ne travaillons pas. Ntabwo turi twenyine. Nous ne sommes pas seuls. Ntabwo twizera ngo turagenda twenyine. Dufite umwuka wera. Nous n'allons pas nous seuls. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Aradufasha. Il nous aide. Aduha amagambo yo kuvuga adashobora guhinyurwa. Il nous donne les mots. Qu'on ne peut pas contredire. Alléluia. Akatwereka n'uburyo. Il nous montre aussi le moyen. Le moyen. Et le temps.
no kudatinya de ne pas avoir peur tuvuga ubwami bwa Kristo en parlant du royaume de Dieu. Umwuka urahora duherekeje. L'Esprit Saint nous accompagne en tout temps. Umwuka urahora ari buryo bwacu. Il est tout le temps en notre droite. Umwuka urahora ari ibumoso bwacu. Il est tout autour de nous. Kutajya ngo kugira ngo tutagira aho tubogamira. Pour qu'on puisse pas se pencher d'un côté ou de l'autre. Hallelujah. Tu sais, Jésus. Tu viens dans nos mukawera. Marchons vers Jésus. En travaillant et en marchant par le Saint-Esprit. Qu'on travaille dans le Saint-Esprit. Tu viens de tu la chevauches. Qu'on dise que tout est possible avec le Saint-Esprit. Dios, tu sais. Et pour ton Amen. Frère.